Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis aujourd'hui avec une vidéo présentation d'un livre de coloriage. Je vais vous présenter le livre Fantaisie, coloriage par numéro. C'est un livre que je me suis acheté chez Walmart. Je l'ai pris comme ça sur la tablette sans vraiment m'attendre à grand-chose et j'ai complètement craqué. Oh, je capote, j'adore ce livre-là. Je l'ai payé 14,95 et franchement, c'est vraiment pas cher parce que les images, les dessins qui sont là-dedans, c'est des pures merveilles. Pardon. Donc, c'est un livre de coloriage à numéro. Ça, je trouve ça pratique quand parfois on a envie de colorier, mais qu'on n'a pas envie de se casser la tête à choisir des couleurs. Donc, au début, on a une partie des coloriages, il nous montre le résultat final. Et à la fin. Pardon. Et à la fin, on a l'autre partie en plus de la charte des couleurs. Moi, ici, j'ai commencé à faire la liste des crayons qui vont matcher avec les couleurs de la charte. Donc, je vous montre les couleurs. Je ne sais pas combien il y a de coloriage, c'est pas dit, mais il y en a pas mal quand même dans le livre. Je vous mettrai. Non, je ne peux pas vous mettre le lien où je l'ai acheté, pardon, c'est je l'ai pris sur Walmart. Mais je vais vérifier par contre sur Amazon s'il ne serait pas disponible. Peut-être qu'ils l'ont sur Amazon et si je le trouve sur Amazon, je vous mettrai le lien. Donc, ce que j'aime aussi, c'est que oui, c'est un livre de coloriage à numéro, mais je trouve que les chiffres ne sont pas vraiment super foncés et ils sont quand même petits. Donc, je pense qu'une fois le coloriage fait, les chiffres, on ne les verra pas tellement. Donc, ça, c'est un plus. Donc, je vous montre les coloriages. Il y a des coloriages juste sur un côté des pages. Donc, vous pouvez aller au feutre ou au marqueur à alcool si vous voulez. Par contre, il faudrait mettre quelques pages en dessous pour être sûr que ça ne transperce pas sur l'autre dessin. Donc, cela, ça n'a pas l'air de grand-chose. Je pensais au début que c'était des vagues, mais c'est des arbres. Donc, voilà. Je vous montre. Celui-là, il va comme ça. Dites-moi en commentaire si vous, vous aimez les coloriages par numéro ou si vous préférez les coloriages mystères. Moi, j'aime tout. J'aime les coloriages par numéro, les coloriages mystères. Je me suis acheté un petit livre avec des mosaïques. Ça aussi, j'aime bien. Moins que les coloriages mystères et que par numéro, mais c'est quand même le fun de colorier les petites cases. Pardon. Il y a des dessins, c'est des pures merveilles. Certains dessins vont être rapides à colorier et d'autres vont prendre plus de temps. Et aussi, si ça vous tente pas de suivre les couleurs qui sont données, vous pouvez parfaitement faire les couleurs de votre choix. Étant donné que vous voyez c'est quoi le dessin, c'est pas comme un coloriage mystère où il faut absolument suivre les couleurs données. Là, vous n'êtes pas obligé, vous voyez c'est quoi le dessin. Je l'adore. Ce livre-là est absolument superbe. Je pense que de tout le livre, il y a peut-être seulement un ou deux dessins qui sont moins dans mes goûts, mais sinon, là, vraiment, je l'aime beaucoup. Si je vais trop vite, n'hésitez pas à mettre sur pause.
c'est vraiment beau. Je l'adore celui-là aussi, le serpent. Vraiment, il n'y a pas grand-chose que j'aime pas dans le livre. Ça, c'est un de ceux que j'aime le moins, mais même si je l'aime un peu moins, je l'aime quand même. Ça, je l'adore. Ça, j'adore, j'adore, j'adore. Un beau bateau. Une bébête. Un insecte, disons. Et les personnages sont super jolis. Donc voilà, c'était la présentation de mon livre Fantasy, coloriage par numéro que j'ai trouvé chez Walmart. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et moi je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.